Vendredi 5 mai 2017, Philippe Tailleux et Diane Chmena ont donné un concert à l'espace culturel Porte 10 à l'issue de la signature de la convention de développement culturel entre la ville et le CHU de Rouen. C'est un extrait du travail qu'il a fait suite à son immersion en unité de médecine palliative. Il y est depuis de nombreuses années, il intervient de manière hebdomadaire. Et il y a eu en 2013 et en 2015 un projet autour de ce qu'on a appelé le temps suspendu, qui était un partenariat entre le CHU, le Conservatoire à rayonnement régional et l'Opéra Rouen-Normandie, où plusieurs compositeurs ont été accueillis en résidence dans différentes unités de soins. Et Philippe, sur la deuxième édition du Temps suspendu, a travaillé lui en unité de médecine palliative plus particulièrement et a créé ce qui s'appelle le Chant des héros silencieux, qui est une partition qui a été interprétée par l'Orchestre de l'Opéra et du Conservatoire et qui s'inspire vraiment de ces rencontres avec les patients, les échanges qu'il y a aussi réguliers avec les équipes et qui nous emmène voilà, vers un panel d'émotions très diversifié, à la fois entre des choses un peu lourdes, mais aussi beaucoup de légèreté, de la joie. Voilà, tout un éventail comme ça d'émotions qui sont retraduites en musique et vraiment suite à une immersion extrêmement régulière dans cette unité.